Allez, on va poursuivre. Ouais, c'est bien un hélicoptère qu'il y a là-bas. Et puis, au niveau de la cabane de soc, enfin, le petit. Enfin, on distingue la cabane de soc aussi. Là. Eh, oui. Ah, ouais, le patou, il surveille. Hein, il surveille. Ouais, il me surveille à moi. Il s'est dit, oh, lui, il n'a pas été rapproché. T'es à regarder ses distances, non, sinon j'ai bouffé les mollets. Bergerie. Même les fleurs qui poussent sur le chemin là, sur le sentier. Les fleurs violettes là. Ok. Hélicoptère. Voilà, et ici, là, le chemin qui monte en lacet vers le refuge de Pombi. Un pierrier d'abord, avant d'arriver au refuge. Et après, il y a le pic du midi d'Osso. Voilà, refuge de Pombi. Pont de Camps, c'est d'où je viens, là-bas, derrière. Bon, après ça continue ici, mais je sais pas si j'ai le droit. Normalement non. Et là au-dessus, enfin, par là-bas, dans la trouée, on monte dans le bois et on va sur le col d'Arius. En fait, moi je pensais que c'était ici au départ, mais non, c'est plus là-bas, mais c'est beaucoup plus loin. Ouf. Première cabane, et après il y a deux ou trois raidillons. On n'y est pas encore. Hein. Allez, moi je vais monter jusqu'à la. Essayer de monter jusqu'à la cabane, au caillou, le soc. Là, ça me fait faire le retour. J'essaye de monter par là. Ouais, ce serait sympa de continuer par là, jusqu'à un peu plus loin, mais jusqu'à comment ça s'appelle. Au cercle d'année où, mais après ça y a un petit défilé, c'est un peu chaud. Puis bon, c'est interdit. Hein. Bon, là c'est le sentier en randonneur. J'essaye de grimper.
J'ai la roue avant qui se lève. Grave après. Ouais, dernière posture. Chaud. Grave. J'aurais peut-être dû baisser la selle. Pour avoir un centre de gravité plus bas. Mais l'avant qui cabrait. Ah mais là-bas c'est la transhumance. Trop faut qu'ils redescendent. Par la route. Ouais, j'ai redescendu jusqu'à la Reims, je suis mal moi. Faut encore rentrer à la maison. Dernier édio. Oh. Ah. Voilà. La vanne de soc. Et redescendre jusqu'à la Reims là, le troupeau, non? Le troupeau de brebis là. Et redescendre jusqu'à la bergerie ou? Mais pourquoi tu demandes? Pardon? Pardon, qu'est-ce que vous dites? Le troupeau là, il redescend jusqu'à. La bergerie ou... Oui. Ah. Pardon? D'accord. Ok. C'est le parking de Secas. Pardon? Le parking de Secas. Oui. Je pense que vous devez descendre. Non, non, mais c'est toléré, là, le VTT. Ah. Si, si, c'est toléré. Jusqu'à... Jusqu'à Artoust. Enfin, Fabrège. C'est réglementé, si je reste sur les pistes. En fait, là, je suis venu pour voir la cabane du caillou de soc. Voilà. Allez. Et remonte la selle. Ouais, vous prévenez qu'il y avait la gendarmerie, que ça craignait un peu avec le vélo, mais c'est toléré. Alors. Ok. Voilà, cabane, caillou de soc. Je disais qu'il a collé au cul, au rocher, qui le préserve. En cas d'avalanche. Et maintenant. Eh oui, ça fait transpirer cette petite montée là. Ce raidillon. Voilà. Ouais, il y a deux matelas, un grand lit. Pour deux personnes. Voilà, on a la roche au fond. Ouais. Et là-bas en face, on a le l'osso, les deux pointes du Jean Bernard. Voilà. Caillou. Cabane de caillou de soc. Celui-là aussi protège, double protection. En fait, moi, on pourrait camper là, l'hiver. Il y a une avalanche. Voilà, bon, c'est un coin où les gens vont chier.
puis où il y a les oiseaux, ils ont... enfin là le chat il a fait des siennes, le chat. Ok, et là voilà, sentier qui part en direction de Col d'Arius, situé là-bas derrière. Après il y a plusieurs possibilités de rando. Allez, à plus. L'hélicoptère va redécoller.